Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda The Wind Waker. On n'oublie pas que la dernière fois, on était arrivé au boss que j'avais eu un peu de mal à affronter et que j'ai perdu donc. Donc on est reparti pour l'affronter. On est toujours au temple de l'air, hein. On affronte. Il m'a avalé. C'est que je vois pas grand chose. Je sais plus comment on les a, ça fait longtemps. Non. Bouge de là, t'as... Ah, c'est ça, on les a comme ça. Au passage, voilà, au passage, cours. Voilà. Alors, je dois toucher une dernière fois, ça sera bon. Oh la vache, je l'avais pas vu. Tu m'auras pas aujourd'hui. Ah, non. Voilà. On a fini. Oh, il me faut sur moi lui. Thank you.
Ciao. Cours. Oh. Voilà, je l'ai eu. Tu vois, je t'avais dit que je t'aurais. Bon, ouf. Enfin, avant qu'il disparaisse, mets-toi. Mets cette. Cette taille de cœur, on demande d'un cœur. Ah ouais, ah ouais, j'aurais n'aurais pas assez de ça pour vaincre le boss final, je pense. Allez, voilà. C'est le père. Excalibur est réanimé, cet épée a retrouvé le pouvoir de repousser le mal et est redevenu l'Excalibur d'antan. Excalibur a retrouvé le pouvoir de repousser les forces maléfiques. Les anciens ont l'air satisfaits. Je vais rester ici pour continuer à prier les dieux. Quant à toi, entre dans la lumière qui est derrière toi pour retourner dans le monde au-dessus des flots. Je vais prier pour que tu sois heureux au combat. Voilà, on est retourné. Je vois donc la forteresse maudite a déjà... Cet endroit est complètement désert. Tellement désert que les voix résonnent. Quoi? Mais fais pas cette là, les monstres sont partis. Tu pourrais au moins te réjouir 5 minutes. Yeah. Pas tout compris là. Bonne nouvelle. Ganon ne s'est pas montré à la surface de la Terre depuis que Valo l'a transformé en boule de feu. Et plus aucun des monstres à sa seule ne se trouve dans la forteresse maudite où il s'est établi. Il semble avoir disparu.
peut-être tort, mais je suis très inquiet au sujet de la princesse Zelda. On va chercher tous les fragments de la Triforce et partons au plus vite vers le royaume d'Hyrule. Oh, super. Ok. Que je cherche. J'en ai plus de la magie. Si je pouvais en avoir un peu, ça m'arrangerait. Rien du tout dans ces fourrés. Voilà. J'ai repris un peu de l'énergie magique. Mais c'est tout quoi. Bon. Faut aller chercher la Triforce encore. Comment on va faire chercher la Triforce? Ils sont gentils les mecs. On va aller par là. Je crois que c'est par là qu'il y a Jean-Pierre qui va nous aider à traduire les différentes cartes. Donc, on a été où? Il faut que je fasse la voile. Voilà. Et un petit coup de braguette magique. Là, je vais par où là? Je vais donc par là. Non, c'est pas ça. Ah, arrête! Non? Allez par là-bas, les gens. Faut visiter toutes les îles maintenant. Je vais retrouver le Jean-Pierre pour traduire les cartes. Mais je sais pas où il est. Il se paraît, non? Je sais plus où il est.
Voilà On va changer la direction du vent. On va monter vers le sud. J'étais persuadé que c'était par là. C'est peut-être un peu plus loin. Après, la tour, c'est tous les fragments. Okay. Ah, il y a des trucs là. C'est les machins là où il est. Alors, sur la gueule. Je ne sais pas. C'est pas celle-là. C'est quoi ça? Il y a certainement un truc là-haut. On va se faire un plaisir d'aller chercher. Je suis où là? Maintenant, il faut chercher tous les fragments avec Triforce. Oh la vache! Comment on fait? Une bombe peut-être? On va essayer avec des bombinettes, hein. Là, il y a un trou là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Chauve-souris.
un trésor. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Carte au trésor. Ok. C'est cool ça. Donne tout ça. Les flèches aussi. Et bon. Voilà. Bonne chose de faite. Bon. Bah voilà une bonne chose de faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On essaiera de trouver l'autre qui décrypte les cartes la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.